Coucou les cupcakes, je vous rends, on est le lundi 28, il est 8h15 ce matin. Et aujourd'hui en fait c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui Orphée va à l'école. En fait là jusqu'à jeudi, il a de l'école le matin. Désolée, je suis en train de regarder qu'il y a du bazar partout. Il va à l'école de 9h à midi, du coup pour 4 jours. Ils appellent ça un stage de réussite. En fait c'est pour remettre les enfants qui ont eu des difficultés. Vous savez, Orphée lui a un peu d'aide et tout parce qu'il a facilement, mais alors très facilement vite fait de se déconcentrer et de ne pas vouloir faire le travail. Du coup, pour les remettre un peu dans le vin de l'école un peu avant, ils ont proposé, il n'y a que quelques places, à certains élèves en fait de reprendre entre guillemets 3 heures pendant 4 jours avant le. Après il y a le week-end et après il y a la vraie rentrée, vous voyez. Du coup, bah moi quand on m'a proposé ça, j'ai directement accepté pour Orphée, puisque donc, le but c'est de l'aider en fait, donc je voyais pas quand je refuserais. Du coup bah là je suis levée et c'est un peu genre la pré-rentrée d'Orphée. Il s'est fait tout beau, il a quand même hâte d'y aller, de mettre son cartable. On essaie de lui faire comprendre que c'est juste pour l'aider, pour que cette année, ça soit encore mieux, qu'il réussisse et que ça galère moins et que voilà. Du coup, il a quand même l'air motivé à y aller, donc ça c'est cool. Mais du coup, ça fait que je suis réveillée à 8h. Bah, c'est bien, ça me remet dans le bain petit à petit. Je pense qu'il faut que je me réveille à 8h parce qu'à la rentrée, je me réveille à 7h quoi. Et du coup, voilà, bah, je vais aller m'habiller. Donc je m'habille et c'est parti. Du coup, voilà. J'ai mis ce petit pull et mon pantalon pied de poule comme ça. Je sais que c'est pas forcément les looks auxquels on s'attend plus ensemble, mais j'aime bien. Et voilà, j'ai pas mis de t-shirt en dessous parce qu'en fait j'ai la flemme. Donc j'ai juste mis ça, sachant qu'il y a de grandes chances que quand je rentre de l'école, je me remette un peu en pyjama. Vous savez, je préfère le matin être en pyjama. Et voilà, je vais remettre les petits écarteurs après la nuit que j'ai passé sans. Puis les garçons sont en train de prendre leur petit déj. Je suppose que Thésée s'est levé en même temps, bien évidemment. Ils sont en train de manger un bol de céréales chacun. Puis après, il aura le droit à son petit dessin animé avant d'aller à l'école. Et on sera bon, quoi. C'est nickel. Let's go. Là. C'est un peu trop mis en travers. Bon, c'est pas grave. On va les mettre comme ils ont envie de se mettre, puisque là, je suis juste levée et tout. J'ai pas mis. En fait, j'ai pas pris ma douche avant. Normalement, quand tu te douches avant et tout, ça dilate la peau. Donc. Plus facile de remettre un écarteur qu'après une nuit où t'as passé la nuit sans, mais c'est quand même très conseillé de pas dormir tout le temps avec. Normalement, faudrait ne pas dormir avec du tout. Hop, moi je dois les enlever, je pense, franchement, pas tous les soirs, mais maintenant c'est presque devenu une habitude de les enlever. De ouais, presque quand même. Mais bon, bref, on va dire que je dois les enlever aller facilement une nuit sur deux, et en vrai, c'est mieux pour dormir, c'est plus confortable, je les perds moins. Et j'arrive à en mettre quand même plus ou moins facilement. Voilà. Bon, allez, je vous emmène. Bonjour les bibis. Bonjour bibi. Bonjour bibi. Vraiment, quand je les vois comme ça dans le canapé, ça sent vraiment pour moi la rentrée, l'automne et tout. Ça me fait grave plaisir. J'aime trop quand ils vont à l'école parce qu'ils sont contents d'y aller et tout. Et moi, ça veut dire que bah, du coup, l'automne s'approche et que. Je sais pas, j'aime trop ce mood. Voilà. Et voilà un Orphée tout beau, tout prêt à aller à l'école. Avec son beau cartable. Du coup, ça y est, j'ai déposé Orphée. Il est trop content parce qu'en fait, c'est une de ses anciennes maîtresses de maternelle qui fait la classe. Et du coup, il l'adore. Du coup, à peine elle est arrivée, lui il était déjà parti à courir et tout le monde a rigolé en mode plutôt allez, c'est parti, on y va, tu vois. Il est en forme, il a hâte, donc déjà c'est bien parce qu'il le prend comme une bonne chose. J'essaie de lui faire comprendre que c'est vraiment juste pour lui et tout, et que c'est très bien et que c'est pas grave si pas tous ses copains le font. Mais je suis contente quand même parce qu'il y a trois élèves en gros de sa classe à lui de l'année dernière. Donc du coup, il est en mode ah, bah super, il y a un tel et un tel, donc c'est trop cool. Donc voilà, au moins ça l'a rassuré aussi et ça lui a fait du bien, je pense. Parce qu'une fois qu'il y est parti, il est en mode oui, à tout à l'heure maman, ouais, tu reviens me chercher et tout avec tes nez. Je dis oui, t'inquiète pas. Donc ça c'est cool. Comme je disais, en plus c'est que 4 matinées, donc c'est pas grand chose. Et c'est vraiment pour leur bien, donc je suis très contente. Et là du coup je vais rentrer à pied bien évidemment. Avec les chaussures de mon sœur que je lui ai encore volées. Et j'ai du montage vidéo à faire. Le ménage, il faudrait que je fasse des biscuits, genre pour remplir la jarre de biscuits dans la cuisine. Et voilà, quoi, let's go. Et du coup, qui dit rentrée scolaire dit pour moi renouvellement des plannings, etc. Donc ici, cette année-là, j'ai pu enfin, vu que l'imprimante voulait bien, j'ai réimprimé genre de janvier à décembre 2024, puisque là, ça s'arrête qu'à décembre 2023. Au moins, c'est mis à jour. Et cet agenda
qui m'a duré toute l'année dernière se finit pile aujourd'hui. En fait, il n'y a pas aujourd'hui, il s'arrêtait hier. Donc, je vais devoir commencer celui-ci. Donc, je suis contente, je vais mettre à jour mes petits agendas avant de dire hop, t'es finito, je vais finir de le remplir. Et je vais le mettre dans mon box. Et je vais entamer celui-ci aujourd'hui. Je suis contente. Et voilà, et du coup, je suis avec Boubouille. Et tu regardes quoi, toi? Samy Bloui tout seul. Ah, Samy Bloui. Sa tortue avec ses mains. Samy Bloui, voilà, sur point 5. Donc, du coup, regarde un petit peu ça. Je vais aller prendre un petit déj, un petit boisson chaude et tout, je vous emmène. Je pars sur un test. Là, en gros, j'avais fait des glaçons de café. Je sais pas si vous vous rappelez, je les avais oubliés. Donc, du coup, j'ai un peu givré. J'ai essayé d'enlever le maximum et j'ai remis surtout les glaçons de café. Et je pars sur le fait de faire couler un chocolat chaud de chocolat blanc dessus. Café chocolat blanc. On verra bien. Bon, la couleur, elle donne envie. De toute façon, c'est immonde, mais c'est pas grave. J'aime bien faire des tests un peu chauds. Donc voilà, let's go faire le montage en buvant ce café chocolat blanc. Il est 13h07, j'ai remis une tenue de maison. Du coup, j'étais en train de faire mes comptes comme ça sur mon cahier. J'ai fait tous mes papiers de RSA à jour parce que du coup, il y avait un dossier que je devais tenir au fur et à mesure des mois où j'avais expliqué avec des objectifs et tout. Donc ça, c'est bien fait à jour, nickel. Je vais passer à mon agenda après. Je suis en train aussi de finir le montage en même temps. J'ai commencé à trier les papiers. J'ai mis à jour aussi la liste des choses à faire et à acheter pour la maison. Voilà, comme ça, on coche un peu ce qu'on fait au fur et à mesure. C'est plutôt satisfaisant de voir que ça avance. Et voilà, ensuite ouais, j'ai une brûlure ici, je me suis brûlé le nez. Chaud. Donc du coup, bah, faut pas que j'y touche trop, c'est chiant. Bref, voilà, Orphée vient rentrer d'école, là, ils ont mangé des pâtes et de l'omelette ce midi. Et petite monster du jour. Le Ultra Paradise, elle est vraiment très bonne en vrai, j'aime trop trop trop. Voilà, et je suis accompagnée de Bouboule, elle est pas trop mignonne. C'est vraiment une nouvelle passion, elle me rend si heureuse. Sont vraiment mimes, je sais pas, il y a un truc qui fait que elle me fait craquer de ouf, je suis très contente. Et sœur, elle est en train de ranger la cave parce qu'il y a pas mal de choses encore à ranger. Elle me dit, ah, je pars là-bas, comme ça elle est un peu dans son truc et tout aussi, donc c'est cool. Pendant que moi je m'attelais au montage, sœur, elle fait le tri des bocaux de ce placard et aussi de la cave à la troisième partie pour ranger tout le monde des bocaux à la cave. Et que là on trie, moi je les garde toujours, je les lave et après je fais un tri une ou deux fois par an pour enlever tous ceux qui servent vraiment à rien et qu'on peut juste mettre au verre au recyclage. Voilà. Yaourt là, la dernière fois j'en ai mangé un et ils sont très bons, les marques repères un peu comme les Maminova. Et marques repères, ils sont très bons, la cerise est excellente, donc la prochaine fois on goûtera un autre goût. Ma brûlure, ça va pas du tout les gars, horrible.